Voilà, vous pouvez commencer. D'accord. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce 9e webinaire de l'AMU intitulé « Valeur ajoutée de la prise en charge des calculs urinaires par l'urologue en 2020 ». Comme vous le constatez, nous restons sur Toulouse. La semaine dernière, c'était les tumeurs de vessie, la résection bipolaire en Mouroc avec le docteur Malavo. Et aujourd'hui, on est toujours à Toulouse. Nous invitons le docteur Christophe Almeras, qui a accepté notre invitation avec une grande joie. Et je tiens à le remercier doublement. Un, d'avoir accepté de collaborer avec l'AMU pour ce webinaire. Et deuxièmement, d'avoir accepté le retard avec un esprit sportif, car ça lui fait déjà 21 heures. Merci alors, beaucoup. Merci Christophe. Alors, le docteur Christophe Almeras était déjà chez nous cette année au congrès, mais donc on le connaît. Le docteur Christophe Almeras, chirurgien urologue libéral à la clinique La Croix des Sud à Toulouse. C'est un ancien interne des hôpitaux de Paris, un ancien assistant, un ancien chef de clinique du service de la Pitié à Paris. Ça. Et comme je pense tout urologue, il est membre de la FUI, membre de l'OIA, il a eu, l'OAU et l'AUA. Et il est le rédacteur associé de la revue Progrès en urologie. Mais il y a un fait important qui nous intéresse ce soir, c'est que le docteur Almeras est le responsable du comité de l'ITIAS à FUI depuis novembre 2018. Et donc, dans ce sens, il a plusieurs publications dans la l'ITIAS et j'ai compté qu'il a 41 au PubMed. Il y a une qui a capté mon attention, c'est qui est intitulée Endoscopic Description of Renal Papillary Abnormalities in Stone Disease by Flexible Erythroscopy, Proposed Classification of Severity and Disease. Et le docteur Almeras, je pense ce soir, il va nous dévoiler le secret de cette communication et de la lithiase. Donc, merci encore une fois, Christophe. Je remercie les modérateurs, professeur Twitty, chirurgien urologue à Marrakech, le professeur Hseini, professeur d'urologie à Fès, le docteur Ramdani Larbi, donc pharmacien biologiste et lithiasiste à Casablanca, je dirais lithiasiste, et docteur Daoudi, chirurgien urologue à Fès. Donc, je remercie les urologues qui vont participer avec nous ce soir. Je remercie les laboratoires FI et surtout Madame Mriem Zarzouri. Je remercie notre grand technicien Sijawad qui va nous accompagner ce soir. J'espère que la séance va se dérouler dans une bonne technicité et d'un niveau scientifique élevé. À vous la parole, professeur Twitty. D'accord, merci Sim Sharqi. Bonjour tout le monde. À mon tour, avant de commencer, je voudrais d'abord saluer Monsieur Christophe et le remercier d'avoir accepté d'animer cette table ronde sur la maladie lithiasique. Je voudrais également le remercier d'avoir accepté de répondre à la question que nous lui avons posée, qui consiste à répondre à la question de savoir quelle valeur ajoutée apportera l'urologue en 2020 à cette prise en charge, bien sûr, au-delà de ses performances techniques dans le traitement des calculs par voie endoscopique ou par chirurgie mini-invasive. Après, M. Christophe, il y a le professeur Hseini qui va prendre la parole pour nous présenter les résultats de l'enquête qu'il a menée avec M. Daoudi auprès des urologues sur leur mode de gestion de cette maladie lithiasique donc au quotidien. Et enfin, nous donnerons la parole à notre invité, M. Ben Ramdan,
docteur Ben Ramdan, qui est un pharmacien biologiste, qui a travaillé pendant très longtemps à Rabat, au laboratoire de la gendarmerie d'Agdal, et qui actuellement exerce en libéral à Casablanca. Il collabore avec les urologues, surtout dans l'exploration des lithiases. Il fait beaucoup d'explorations spectrophotométriques. Donc, nous avons invité Monsieur Ben Ramadan essentiellement pour nous répondre, ou plutôt répondre à la question de savoir en 2020 s'il y a toujours une place à l'examen spectrophotométrique, sachant que actuellement il y a des lasers tellement puissants qu'ils transforment le calcul en fine poussière, modifiant son aspect architectural. Donc, tout de suite, je passe la parole à Christophe pour nous présenter la place de l'urologue en 2020. Écoutez, Merci, Christophe. merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur de vous rejoindre. J'étais très heureux d'être au congrès cette année. Et vraiment, c'est très amical et je suis très fier de parler. Alors, ce que je vais discuter avec vous, c'est beaucoup d'impact, en fait. C'est un impact sur l'avenir de l'urologie, notre champ d'action. Et puis, c'est un impact parce qu'on est, je pense, en avance. Et ça nous confère une place assez essentielle dans le diagnostic des calculs et de la lithogenèse. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'essaie de partager mon écran. Vous me confirmez bien que vous le voyez. Alors, hop, je passe là. Voilà. Vous voyez l'écran là en direct ou pas? Tout à fait, oui. Tout à Oui, fait, voilà. oui. Donc en fait, la valeur ajoutée de la prise en charge des calculs par l'urologue en 2020. Donc, quelle est la place exacte de l'urologue? Ben, l'urologue, quand on y réfléchit, une place quand même qui est centrale, puisqu'on est déjà au premier contact des urgences. C'est nous qui allons gérer, après les urgentites, la colique néphrétique. Nous avons, en tant qu'urologue, accès à un plateau technique qui est complet normalement. C'est ce qu'on doit avoir. On peut traiter tous les calculs avec lithotricie, urethéroscopie, percutanée. Dans certains centres, on a développé également la posturothérapie avec les kinésithérapeutes ou certaines cures thermales. Et l'urologue peut aussi, donc, et ce qui est maintenant de plus en plus recommandé, faire le suivi avec toute la démarche préventive et l'enquête vis-à-vis de la lithogenèse. Et c'est dans cet état d'esprit, en fait, qui peut avoir besoin d'aide, bien sûr, à la fois par de l'imagerie par le radiologue, pour voir s'il y a des anomalies morphologiques, mieux établir en fait le type de calcul, la localisation, etc. Et puis le néphrologue, bien sûr, vis-à-vis du bilan lithiasique. Cependant, quand on y réfléchit, c'est cette aide précieuse qu'on a, ça peut se transformer en oiseau de proie sur une activité urologique, puisque les radiologues savent mettre des néphrostomies, savent trouver les freins, et quelques centres ont pu même investir dans les lithotripteurs. Donc c'est une activité qui peut être éventuellement menacée pour nous. Donc il faut vraiment qu'on garde cette place centrale et assez incontournable dans la prise en charge de la lithiase. Même si, pour l'urologue qui se dit chirurgien, il y a quand même un versant médical qui est fondamental pour garder justement cette activité. Alors, comme on l'a souligné tout à l'heure, la prévention repose sur un problème d'enquête étiologique avec classiquement l'analyse du calcul. Alors l'analyse du calcul, elle n'est pas que spectrophotométrique, elle est en fait morphoconstitutionnelle et spectrophotométrique. C'est-à-dire qu'on a une description du calcul extérieur et en coupe, et ensuite on va faire Et donc la ensuite, on va faire spectrophotométrie qui va nous orienter en plus sur la nature. Mais d'orienter c'est en plus l'ensemble sur la des deux nature. qui nous permet Et d'avoir en l'ensemble des fait deux qui permet d'avoir la vraie analyse du calcul. la. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avec les lasers qui se développent, donc vous voyez sur la partie gauche, c'est l'effet Mohsi pour l'holmium, et puis à droite, l'effet de Dust, eh bien, on a de moins en moins en fait de fragments analysables. On a de la poudre qui est plus trop représentative de ce qui est vraiment le calcul. Cependant, l'urologue est en première ligne, il fait des urethéroscopies souples notamment. Et il a une place qui est essentielle puisqu'il va pouvoir voir le calcul avant de le casser et décrire en plus des anomalies dans le rein, les anomalies papillaires. Donc en fait, ça va permettre d'essayer d'avoir justement une place essentielle dans le diagnostic de la maladie lithiasique. La description des calculs, ça va se voir comme avec un microscope. On voit très très bien.
Et donc, l'urologue va devoir pouvoir essayer justement d'appréhender et d'acquérir en fait ces compétences-là. Alors, l'urologue va devenir donc incontournable. Et pourquoi alors décrire ces anomalies papillaires? Alors, il faut comprendre que les anomalies papillaires que l'on va voir, ce n'est pas très facile à comprendre, à intégrer. Il y en a qui sont liés à la conséquence de la lithogénèse, c'est-à-dire que c'est le calcul, par exemple, qui va arracher un bout de papille et faire une érosion. Mais ça va être aussi des anomalies papillaires qui vont être liées au point de départ de la lithogénèse non homogène. C'est-à-dire, il va y avoir l'endroit où ça va vraiment cristalliser. Ces anomalies papillaires vont être également le reflet de l'intensité de la lithogénèse, évidemment, s'il y a beaucoup d'anomalies, du risque de récidive et du type, ainsi que de l'étiologie. Alors, quand on revoit un petit peu les principes de lithogénèse, il faut bien penser qu'il y en a deux importantes. Il y a l'homogène, qui vient en fait, je vais prendre la petite flèche, qui est ici, qui vient en fait dans un milieu de supersaturation, dans un milieu éventuellement de stase. Il y a la nucléation qui va se faire hétérogène, qui peut être soit sur plaque de Randall, ici, soit une cristallisation intraductale dans les tubes de Bellini. Ces deux modes de cristallisation hétérogène peuvent être associés, comme on le voit sur cette coupe de papilles. Alors, qu'est-ce que c'est que la plaque de Randall? La plaque de Randall, sur le plan historique, elle a été décrite dans les années 30. Ça se présente comme des dépôts blanchâtres sous-épithéliaux. Ça touche en fait 80% à 91% des papilles dans les études, il y a dans la mienne récente, on était à 83% et 91% c'est ce qu'avait décrit Matlaga. Ça ne se trouve pas dans les tubes collecteurs. C'est plutôt développé au niveau de l'anse fine de Henle. Et ça va infiltrer en fait l'interstitium au niveau de la papille. Ces plaques de Randall sont essentiellement composées de carbapatite. Et ce qui va se passer, c'est quand il va y avoir l'érosion épithéliale, elle va entrer en contact avec les urines. Et le premier cristallite qui est le plus petit, c'est en fait de l'oxalate de calcium monohydraté. Et c'est pour ça qu'en fait, le calcul le plus fréquemment associé avec la plaque de Randall, c'est de l'oxalate de calcium monohydraté, en général 1A. Alors, les plaques de Randall peuvent être aussi nettoyées spontanément. On sait que les macrophages ont une action nettoyante vis-à-vis de ces plaques et qu'il y a aussi un lien avec les sites, la production de cytokines justement dans ce nettoyage. Alors, quelle origine de ces plaques? Il y a trois en fait, étiologies, trois hypothèses possibles. Il y en a une qui est, à mon sens, la moins probable. C'est une idée d'expression de gènes osseux en fait dans l'espace interstitiel au niveau de la papille. Après, il peut y avoir aussi des plages de nécrose au niveau de la papille, de la nécrose cellulaire qui va ensuite se calcifier. Ça, c'est une deuxième hypothèse. Et certainement la plus probable, c'est en fait l'apparition de la plaque de Randall en raison d'une supersaturation de concentration dans l'espace interstitiel lié à un gradient de calcium entre l'anse de Henle et les vasarecta qui sont les vaisseaux au niveau de cet endroit-là. Donc, il va se déposer du calcium dans cet espace. Ça se fait surtout, comme l'avaient montré Co et Evan, plutôt au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle. Et ça va donc infiltrer l'interstitium et donner cette plaque dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, à quoi ça ressemble en endoscopie? Parce que c'est bien beau, mais on voit des anomalies, mais qu'est-ce que c'est qu'une plaque de Randall? Alors, en pratique, ce sont des dépôts sous-muqueux. Là, vous avez des images, ça fait ces dépôts qui sont irréguliers, puisque c'est quelque chose qui infiltre l'interstitium, et on voit très bien ces plaques ici. On voit que c'est associé à des calculs d'oxalate de calcium monohydraté, ces calculs 1A, qui sont sombres, et qui vont prendre naissance sur cette plaque de Randall. Quand ils vont partir, ces calculs, ils vont arracher un bout de papille. C'est pour ça qu'on a des érosions papillaires. Et ces érosions peuvent être aussi atteintes avec beaucoup, beaucoup de, on voit, de dépôts. Et quand on fait une biopsie de ça, il y a un infiltrat lymphocytaire qui participe au nettoyage. Donc, en fait, les Américains appellent cette érosion le pitting. Et l'association calcul-érosion se retrouve dans 58% des cas à peu près, ce que j'avais démontré dans ma première description. L'autre cristallisation est intratubulaire. Intratubulaire, donc dans les tubes de Bellini en général, mais ça peut venir aussi depuis la pointe de l'anse de Henle. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des calculs qui vont se développer dans les tubes collecteurs suite à ces petits bouchons.
qui sont en général de nature de carbapatite également, puisqu'on voit dans à peu près, c'était le Tavernier qui l'avait montré en 2016, il y a à peu près 66% de calcul de carbapatite dans ces plugs, qu'on appelle aussi. Et ils vont se développer, ils vont donner des types de calculs un peu particuliers, puisque c'est essentiellement de la carbapatite, évidemment. Il y a aussi du phosphate de calcium de type 4A2, qui est assez typique des acidoses tubulaires, mais aussi la bruchite. Donc, comme vous le constatez, en fait, ce sont des pathologies qui sont très lithogènes, avec un lien avec l'acidose tubulaire, mais aussi la néphrocalcinose et des conséquences tissulaires possibles de fibrose et de destruction tissulaire. Alors, quand on voit en fait les différentes images là, vous voyez ici des plugs. Alors, les plugs, ils peuvent être périphériques. Ça fait des petits traits blancs qui partent un peu dans tous les sens, et ça ne fait pas ce gros aspect en fait d'infiltration de l'interstitium. Ils peuvent être aussi plus étendus quand on va se développer vers éventuellement une néphrocalcinose. Les plugs peuvent être plus centraux aussi, on les voit très très bien, vous voyez, ça fait ces petits traits un petit peu discrets. Et là, ce sont des calcifications qui vont venir à l'intérieur des tubes collecteurs, au niveau de la papille. Donc, ce sont des calculs intrapapillaires, ce n'est plus des plugs ou des petits bouchons. Et après, il y aura une cristallisation qui va se développer, alors là, c'est du 4 à 2, et ça peut détruire la papille, ce que j'appelle une papille cryptique. Donc, ça aboutit en fait à la réalisation d'une classification qui est logique, hein, pour essayer de décrire ces anomalies papillaires que j'avais faites en 2016. Au même moment, les Américains avaient sorti un grading score, c'est Michael Borowski qui l'avait sorti, mais qui est en fait a pour but de classer chaque anomalie papillaire dans sa destruction, mais il ne va pas y avoir d'orientation diagnostique sur le type de lithogénèse par contre. Donc moi, l'idée, c'était plutôt de se baser un peu comme sur une classification TNM, où on a la tumeur, les ganglions et les métastases. Mais nous, ça va être plutôt les calculs qui sont papillaires, les anomalies papillaires et les plaques de Randall. Donc c'est S pour stone, P pour papilla et R pour Randall. Alors ce qu'on va décrire, ça va être les calculs ancrés qui sont accrochés à la papille, qui peuvent être soit sombres, soit clairs. Il y avait d'autres calculs que là j'ai fait, vous allez voir, elle a été mise à jour cette classification, donc ces calculs-là, on les a enlevés parce qu'ils n'ont pas un gros impact. Mince, je reviens en arrière. Il y a toute cette classification au niveau SC, ce sont les calculs qui sont d'origine donc intratubulaire. Pour les anomalies papillaires, on va voir les érosions, si bien sûr il y a beaucoup de plaques ou pas. Et on comprend bien que quand il y a des dépôts comme ça, il y a un haut risque de récidive. Il existe aussi des ombilications, où en fait il peut y avoir une cristallisation qui va se faire à l'intérieur de l'ombilication, comme autour de l'ombilication, ce qui est un petit peu différent. Et l'intensité bien sûr des plaques de Randall. Et au final, ça permet de faire un score. Alors vous voyez, par exemple, quand on trouve ces anomalies-là, on a quoi? On a des calculs ancrés sombres, donc c'est SA1. On a vu trois papilles dans un même rein, parce qu'on voit toutes les papilles dans un rein, ça classe tout pour un rein entier. Trois papilles qui ont eu une érosion propre, donc c'est 3PA1. Et on a vu donc une intensité assez moyenne de plaques de Randall, donc c'est RB. Ça permet d'avoir ainsi, de tenir une base de données, de suivre les patients et de voir même si ça s'améliore avec le temps. Cette classification elle a été réévaluée après plusieurs années d'utilisation. Donc j'ai repris un peu tous mes malades que j'ai essayé de classer et je l'ai publié cette année là, dans le World Journal. Ce que ça a montré, bien, en fait, c'est assez intéressant, puisque c'est là où je vous disais, il y a 83% des patients qui sont opérés pour calcul qui ont des plaques de Randall et seulement 4,5% des patients qui n'ont aucune anomalie papillaire, seulement ça. Il y a un lien statistique en fait entre les calculs ancrés et les érosions papillaires, on va revoir ça. Il y a un lien statistique entre les plaques de Randall, les calculs ancrés, mais aussi les plaques de Randall et les érosions. En revanche, il y a une très forte discordance entre les plaques de Randall et les calcifications d'origine intrapapillaire. Ce qui est tout à fait logique, puisqu'en fait, ça confirme bien qu'il faut bien différencier les deux types de cristallisation, soit d'origine intrapapillaire, soit d'origine au niveau de la plaque de Randall. En résumé, voilà ce que ça donne. Donc, on a 83% à peu près de gens qui ont des plaques de Randall, qui vont donner des calculs ancrés, 1A, d'accord, de ce type-là, dans 30,7% des cas, et l'érosion papillaire qui est observée dans 55,7% des cas. 16% d'origine intraductale.
avec une crise, avec des dépôts qui peuvent être centraux ou périphériques, avec une évolution qui peut se faire vers une crécisation intrapapillaire, comme je vous l'ai dit, qui peut détruire la papille, ou encore développer une néphrocalcinose avec une destruction et un développement à l'intérieur du rein de ces calcifications dans la médullaire. Ce qui est intéressant aussi également, c'est qu'on a montré, alors Borowski avait montré en 2019 un lien entre les plaques de Randall et les calculs ancrés, les Cohen entre les plaques de Randall et l'érosion papillaire, et moi là j'ai démontré en fait tous les liens dans cette lithogénèse-là, donc plaques de Randall, et il existe bien un lien avec les érosions et les calculs ancrés 1A. Il y a un lien fort justement quand on voit ces dépôts au niveau des berges. En revanche, il y a une différence significative entre ce que je vous disais, la crécisation intraductale et les érosions, ainsi que les plaques de Randall. Donc, ce n'est pas tout à fait la même maladie quand on voit ça. Les types de lithogénèse. Donc, on reprend cette crécisation sur plaque de Randall qui est sur le côté gauche de l'écran, qui est souvent liée donc, à un problème de diurèse insuffisante. Donc, c'est une cause qui est plutôt hygiéno-diététique. Et nous avons l'intraductale à côté, dans laquelle on retrouve une proportion importante d'hypocitraturie, hypercalciurie, de manière plus poussée que dans les plaques de Randall, ce qui confirme bien aussi ce qui avait été déjà évoqué par De Sombs en 2015, c'est-à-dire la présence d'une possible acidose tubulaire qui peut bien sûr dégénérer en néphrocalcinose. L'étude confirme ces données, puisqu'on retrouve une proportion plus importante de calculs de phosphate de calcium, plus importante de calcul 4 à 2 qui est assez typique donc de l'acidose tubulaire. Mais cependant, on trouve aussi 28%, il faut le savoir, de monohydratés 1A, à savoir qu'il y a 75% quand même, comme on l'avait montré, c'est le calcul prépondérant, le 1A, des plaques de Randall. Mais quand on voit justement ce 1A au niveau de ces localisations intrapapillaires, c'est ça qui représente certainement en fait la proportion de maladies de Cacciarici, puisque il y a le Cacciarici, ça va être ça, il y a un polymorphisme au niveau des calculs, il y a des poches sous-papillaires. Alors là, je vous posais un petit peu la question, je vais vous demander justement quel mécanisme de lithogénèse on peut évoquer chez cette patiente. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ces images-là. Qu'est-ce que vous voyez ? On voit en fait un calcul ancré qui est plutôt sombre. Et ce qui va être intéressant, c'est quand on va l'arracher, regardez bien le fond, on voit en fait des plugs, c'est-à-dire des petits bouchons intratubulaires. Il peut y avoir des calculs comme ça. Alors bien sûr, on peut traiter au laser, mais en visant uniquement le calcul. Le but, c'est de ne pas léser la papille. Et là, pareil, sur cette vidéo, vous retrouvez des petits plugs. Ça, ce ne sont pas des plaques de Randall, mais ce sont des bouchons d'origine intratubulaire. Donc, chez cette patiente qui a été traitée, c'est bien une origine qui est intraductale. Donc elle fait partie des 16% à peu près de patients qui ont ce genre de problème, avec une lithogénèse qui est potentiellement grave. Et d'ailleurs, à l'analyse 4 à 2, quel impact sur cette patiente? Bien, il faut évoquer en fait un problème d'acidose tubulaire. C'est là où on va avoir besoin. Alors bien sûr, nous, on est urologue, hein, là on a besoin du néphrologue. Donc ces néphrologues, Il ne faut pas forcément les utiliser pour de la diététique, il faut les utiliser quand on a vraiment besoin, c'est-à-dire des problèmes d'hypercalciurie qu'on ne maîtrise pas, des problèmes plus complexes de type acidose tubulaire. Je pense que quand on voit cette cristallisation intrapapillaire, c'est très important d'être vigilant et de passer le relais au néphrologue. Donc l'acidose tubulaire, si on rappelle, nous, ce qui nous concerne surtout, c'est la forme distale. Et celle qu'on rencontre le plus, la forme incomplète, et qui se manifeste qu'avec l'hypercalciurie et l'hypocitraturie. Ça donne des calculs d'oxyde de calcium plutôt dihydraté, de la carbapatite 4 à 2, il y a la néphrocalcinose, mais pour faire le diagnostic, on a besoin souvent du néphrologue. Là, en l'occurrence, la patiente que je vous ai montrée avec les images, c'était un Gouge-Roche-Grün, donc on a fait le diagnostic, elle est en cours de traitement en plus. Au total, érosion papillaire, calcul ancré, plaque de Randall, il y a un lien statistique, c'est donc de la nucléation sur plaque de Randall, la diététique est importante. Les calculs d'acide urique, surtout le 3A, mais aussi la struvite et la cystine, il y a peu d'anomalies papillaires, il y a quelques dépôts qu'on peut voir en fait d'acide urique quand on a du 3B, puisqu'en fait c'est là où il y a un lien avec justement l'hyperuricémie et pas forcément un facteur de stase. Les calculs d'origine intraductale, c'est du phosphate de calcium. Il faut penser, quand on voit ça, à une maladie métabolique sous-jacente. Il existe, pour les calculs clairs ancrés,
clairement, donc quand on voit c'est une image, il y a un lien avec une hypercalciurie qui se retrouve. Et pour la maladie de Cacchierici, donc là, il faut penser avec le polymorphisme des calculs, quand on voit des calculs qui sont à l'intérieur de la papille, qui sont plutôt de type monohydraté, et qu'on retrouve des poches, quand on les traite comme ça, qui sont assez propres, où il y a très très peu en fait de plugs, de bouchons, à ce moment-là, c'est très évocateur de maladie de Cacchierici. Donc, qu'est-ce qu'il faut décrire quand on regarde les papilles? Déjà, il faut commencer à le faire avant de traiter le calcul pour ne pas faire saigner, pour ne pas être gêné. Il faut avoir aussi un endoscope de bonne qualité. Il faut décrire les calculs. Est-ce qu'ils sont ancrés ou est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont intrapapillaires? Leur type sombre ou clair, ce n'est pas les mêmes étiologies. Les anomalies papillaires, on a dit érosion, papilles extrophiques, le nombre de papilles atteintes par rein, et puis la présence de ces dépôts où il y a les plaques de Randall, les plugs, il faut estimer à peu près la quantité. Alors, est-ce que ça prend du temps? Ben non. En moyenne, quand on commence une urétéroscopie, ça prend 81 secondes pour explorer chaque papille et regarder les anomalies. Donc, on peut quand même se permettre d'essayer d'explorer ça avant chaque traitement et de laisser une trace dans le compte-rendu opératoire. Alors, l'évolution, ben, c'était qu'on a fait une V2 de cette classification cette année, puisqu'on a éliminé en fait le petit calcul qu'on voyait qui était dans un pont interpapillaire. On a rajouté, parce qu'il y avait des défauts un petit peu, des petites insuffisances de description. Donc, on a gardé cette description importante des calculs, avec notamment la localisation intrapapillaire et la description cryptique. La description des calculs, il nous manquait un peu ces calculs mixtes où on trouve en fait une composante monohydratée par exemple dessous et du dihydraté par-dessus. On avait une petite insuffisance aussi pour détailler si on avait la présence du maladie de Cacchierici. Et puis surtout, on parlait surtout des plaques de Randall, mais très très peu des autres dépôts. Alors, il a été constaté dans toute ma série d'urétéroscopies également d'autres dépôts, c'est-à-dire c'est des sortes de concrétion fibreuse intrapapillaire, comme on peut voir ici, qui peuvent avoir une activité, une lithogénèse aussi assez importante, et qui peuvent aboutir peut-être ensuite aussi à la papille extrophique, ou alors à un facteur éventuellement de nécrose, comme on a évoqué tout à l'heure aussi, qui peut donner un certain degré de calcification. Et puis il y a les plugs, qui peuvent être soit périphériques, soit plutôt centraux. Donc c'est le même raisonnement pour calculer. Par exemple, là, on a un calcul qui est ancré sombre, donc c'est SA1. On a quatre papilles érodées avec des dépôts, donc c'est 4 PA2. Et on a en fait que des dépôts de type plaque de Randall, donc on va dire des plaques moyennes, donc DRB. Là, dans ce cas-là, ce sont des calculs donc, qui sont intrapapillaires, ça va être SB3. Il y a une cristallisation quand même, parce qu'il y a des calculs, vous voyez, qui sont plus jaunes et clairs, donc c'est pour ça qu'on a SB3, donc on a intrapapillaire et clair. Ensuite, on a pas du tout de plaque de Randall, donc c'est zéro. Par contre, on a des plugs, donc ces petits bouchons intratubulaires qui sont présents. Ça, c'était donc tout l'aspect de description des papilles, et comme vous avez compris, il n'y a que l'urologue qui peut les voir. L'autre chose maintenant, ben c'est le gros travail qu'a fait Vincent Estrade, et je le remercie de m'avoir autorisé à dévoiler quelques diapos pour vous à ce niveau-là, en collaboration avec Michel Dodon également. En fait, l'idée, c'était justement de voir est-ce qu'on peut retrouver une morphologie du calcul qui va nous permettre, nous, l'urologue, de se faire une idée vis-à-vis de la nature du calcul en urétéroscopie. Clairement, donc, on a vu il y a le développement du dusting, les formalisés ne sont pas représentatifs. Il faut par contre décrire la superficie et ce qu'il y a à l'intérieur, parce que comme vous voyez, il y a des calculs qui sont mixtes, donc on les aura aussi qu'en coupe éventuellement. Et puis il y a un aspect aussi de fragmentation qui peut être évocateur de certains types de calculs. Alors la spectrophotométrie va peut-être pas forcément bien nous renseigner, parce qu'on va nous dire c'est du monohydraté, mais on aura du mal à savoir si c'est par exemple du 1A, du 1C, du 1E. Et donc ça va être plutôt l'aspect morphoconstitutionnel. Donc en fait, comme on n'a plus le morphoconstitutionnel qui est donné par l'analyse des calculs dans les explorations, on va avoir, c'est à l'urologue d'essayer en urétéroscopie de donner cette analyse morphoconstitutionnelle. Donc on peut déjà s'aider de la couleur, ben oui, puisque quand c'est brun, ça va nous orienter plutôt sur de l'oxyde de calcium monohydraté. Les calculs d'acide urique sont plutôt orange. Quand on a ce jaune vif qui brille, ben ça nous fait penser à de la cystine. Quand on a ce jaune clair, comme ça, un peu spiculé, mais très clair, qui brille moins, en fait, c'est plutôt du dihydraté. Le côté blanc, ça évoque la carbapatite, et le brun clair, il y a une composante protéique. Il faut savoir que 52% des calculs
il n'y a que 52% des calculs qui sont purs. Et la proportion de calculs mixtes est d'environ 48%. Alors là, c'est une publication qui est en cours, faite par Vincent Estrade, qui est avec Michel Dodon et puis d'autres membres du comité. L'idée, c'est quoi? Quelle est la fiabilité de la reconnaissance justement endoscopique de ces calculs lors de l'urétéroscopie? Comme je vous le disais, 51% de calculs purs, donc ceux-là, ils sont plutôt plus simples à reconnaître. Ça se complexifie quand on a des calculs mixtes, bien évidemment. Ça dépend de la qualité d'image des endoscopes, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même, à la fois définition, mais même la même couleur, le même rendu de couleur. Cependant, quand c'est quelqu'un qui est expert comme Vincent Estrade qui compare sa description morphoconstitutionnelle et le résultat de Michel Dodon, qui est lui aussi également expert en analyse de calcul, eh bien voilà, on a une concordance à peu près de 81%, donc c'est quand même une excellente concordance qui va être maximale surtout pour la vévélite. D'accord, donc pour le monohydraté 1A qui est en fait le plus simple. La VDLite est aussi simple. Il y aura plus d'erreurs, si vous voulez, sur des diagnostics en fait, de carbapatite ou d'association, mais on arrive à avoir une bonne concordance. Alors ces valeurs sont assez exceptionnelles, hein, c'est très difficile, mais il faut se lancer, il faut essayer de reconnaître les calculs, il faut se mouiller. Ça s'apprend. Il y a eu une étude qui a été publiée dans Progrès en neurologie qui a été aussi montré à l'affût, où en fait on a essayé à Bordeaux d'essayer d'apprendre ça aux internes, et les internes arrivent. Alors ce qu'ils reconnaissent le plus facilement, ça va être les calculs bien sûr monohydratés 1A, qui sont ceux-là. Donc les calculs monohydratés 1A, ça c'est l'observation Michel Dodon, d'accord, donc on le voit, c'est brun, il y a surtout à cette coupe aussi également, cette cristallisation qui est radiale et qui est typique, ce sont les calculs de la plaque qui pousse sur la plaque de Randall. Typiquement, il y a un fort lien avec un défaut de diurèse. En endoscopie, voilà à quoi ça ressemble. On les voit très bien, hein. C'est vraiment d'excellentes images. À savoir que la partie blanche, c'est bien sûr l'oxalate le plus récent qui s'est déposé, puisque ce qui donne la couleur noire, en fait, c'est le pigment urinaire qui va en fait contaminer le calcul d'oxalate qui est blanc en fait au début. Et c'est pour ça que le calcul va devenir de plus en plus sombre à cause du pigment. Donc en fragmentation, on revoit exactement cette cristallisation radiale. Et quand on voit ça, on sait que c'est plutôt quelque chose de diététique, ou alors bien sûr avec un problème d'hyperoxalurie. Mais on va voir ça aussi un peu plus tard. Ça, c'est du 1B. Alors, le 1B, ça y ressemble, c'est toujours sombre, vous voyez, cet aspect comme ça. Par contre, c'est désorganisé à l'intérieur. Alors, il peut y avoir ce 1B, il existe aussi une part de conversion cristalline, c'est-à-dire c'est du dihydraté qui va se transformer en monohydraté, ça peut se voir, c'est pour ça qu'on le voit parfois plus cette structure désorganisée et ces aspects un petit peu boursouflés en superficie. Le 1C, c'est toujours, alors en spectrophotométrie, c'est toujours du monohydraté, c'est toujours de l'oxalate de calcium monohydraté. En revanche, vous voyez, l'aspect est complètement différent. Et donc, c'est à nous de le reconnaître. Et quand on voit quelque chose de bourgeonnant comme ça, le 1C, il faut absolument, ça va être une alerte, parce qu'il faut penser à l'hyperoxalurie primaire qui est gravissime. Ces calculs-là, c'est encore de l'oxalate de calcium monohydraté en spectrophotométrie. Par contre, il faut le décrire avant. Ce sont des calculs, on les voit, ils sont lisses, ce sont des calculs de stase principalement. C'est du calcul 1D. Donc, il faut y penser quand on a ce genre de calcul. On le voit très, très bien en urétéroscopie souple. Ils sont assez typiques dans leur présentation. Et à ce moment-là, ces calculs, ben oui, il faut chercher un facteur de stase, un syndrome de la jonction, une sténose éventuellement. Ça, c'est du 1E. Le 1E, dès qu'on a en fait une hyperoxalurie qui va être majeure, ça va être de l'oxalate qui va se déposer de manière intense et donc qui n'a pas le temps de se colorer. Donc, c'est des calculs qui sont plutôt blancs. Ce 1E, il va être un peu en aspect semoule à l'intérieur. C'est ce qu'on retrouve dans les hyperoxaluries entériques, dans les maladies digestives, donc inflammatoires, les grêles courtes et puis les pancréatites chroniques. Alors, voilà à quoi ça ressemble. On le voit hein, quand on va le... C'est clair, hein, ça ne ressemble pas du tout à du 1A. Et quand on va le fragmenter, vous voyez, ça fait cet aspect un petit peu semoule à l'intérieur, qui est un peu plus typique. Le 2A, bah c'est... Donc, je vous rappelle, c'est celui qui va être lié à l'hypercalciurie, c'est de l'oxalate de calcium dihydraté, c'est plus le même du tout. Ce 2A, il va être très spiculé et en fait, il va avoir un intérieur qui est un petit peu, c'est un peu radial et assez lâche dans sa structure. Donc ça, c'est la description de Michel Dodon. Comment ça se traduit
en urétéroscopie souple, et bien comme ça. Alors vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même image parce que ça brille un petit peu plus. On a la lumière de l'endoscope. On voit que c'est des cristaux qui sont très fins, mais qui sont tranchants. Et quand on va les casser, on voit qu'il y a cette désorganisation un petit peu assez lâche, assez typique du 2A. Le 2B, ça reste aussi du dihydraté, donc si vous faites une spectrophotométrie, on vous donnera la même réponse. Alors la petite différence, ça va être qu'il y a un petit peu plus de stase, il peut y avoir une petite association de l'oxalurie, de l'hypocitraturie. La différence, ça va être des, vous voyez, les cristaux de superficie qui étaient pointus et assez acérés, ben là ils sont un peu plus lisses, donc ça c'est la description de Michel Dodon, et l'intérieur est plus compact. Alors, à quoi ça ressemble? Là, on voit très bien, là, il est très joli, j'aime bien celui de droite, là, où on voit ces cristaux qui sont moins tranchants, on voit qu'à la coupe, c'est beaucoup plus dense, compact. Donc, il faut décrire, il faut essayer de se mouiller, et doucement, on arrive à reconnaître ces calculs. Le 3A, c'est l'acide urique anhydre, qui en fait, qui est aussi un calcul qui est une grosse proportion de... grosse dépendance vis-à-vis de la stase également, c'est pour ça qu'il y a en fait une cristallisation qui va être concentrique. Quand on va le casser, c'est pourquoi c'est crémeux, et on va le retrouver de cette manière-là également en urétéroscopie. Le 3B, c'est l'autre calcul d'acide urique, qui lui va être plus, vous voyez, on perd un petit peu cette activité, cette disposition concentrique, il va être plus inorganisé dedans, avec des porosités, plus orange, un petit peu plus, un peu moins aussi crémeux à la coupe, et en fait, on retrouve ces calculs de cet aspect-là typique en endoscopie. Donc on arrive à les reconnaître, clairement. La carbapatite, donc on avait dit plutôt blanche, d'accord, donc ça c'est la description de Michel Dodon. Si on regarde en urétéroscopie, vous voyez, là, il y a une petite part un petit peu plus marron dessus, donc ça peut être trompeur. C'est pour ça qu'il y a une proportion un peu d'erreur un peu plus marquée dans la description, peut-être de ces calculs-là, il faut un apprentissage, mais quand on va le casser, on va retrouver cette structure qui va être donc un peu concentrique, qui va être blanche et qui va être très évocatrice donc de carbapatite. Celui-là est typique et il n'est pas facile à reconnaître, pourtant il a son aspect qui est assez typique, c'est le 4A2. Il faut le connaître, il faut le reconnaître, il a un lien direct avec l'acidose tubulaire, on va le retrouver également. C'est le calcul qu'on a vu tout à l'heure en fait sur la malade qui avait le gouge rouge de Grun. C'est un calcul, moi il me fait penser à la barre chocolatée Lyon, c'est-à-dire c'est vernissé, c'est un peu plus sombre et c'est légèrement craquelé en superficie, avec une structure qui est vraiment assez irrégulière à l'intérieur. Alors voilà ce que ça fait un petit peu en endoscopie, donc ça c'était un calcul qui n'était pas du tout, on voit que c'est une anse de résecteur, hein, c'était pas dans un urétéroscope, mais on le voit, hein, c'est vernissé, c'est craquelé en superficie, c'est du 4A2 potentiellement. La struvite carbapatite, c'est des couches épaisses, on le sait, ça va être du brun avec du blanc aussi également, puisqu'il y a une part aussi donc c'est lié à l'infection. Voilà, donc ça ressemble beaucoup en fait à l'aspect de carbapatite, c'est là où on peut quand même drôlement se tromper. La bruchite, important, on le reconnaît très très bien en fait, également en urétéroscopie. On sait que c'est un calcul qui est extrêmement compact, qui est fait avec des petites baguettes de cristaux, et quand on comprend ça, alors je vous rappelle, il y a 7% d'hyperparathyroïdie primaire lorsqu'on a de la bruchite, il faut y penser. Donc quand on a ce type de calcul, d'abord c'est un calcul dangereux parce qu'il récidive, il fait des volumineuses récidives de taille importante, et également il y a une pathologie sous-jacente, donc l'hyperparathyroïdie qu'il faut aller rechercher. Donc cette bruchite, en sachant en plus que ça contre-indique la lithotripsie, bien évidemment, puisqu'il est résistant aux ondes de choc. En urétéroscopie, vous voyez, c'est un aspect qui est assez jeune, qui est assez compact. Et quand on va le casser au laser, en fait, chaque impact de laser, comme c'est quelque chose de très compact, va chauffer et va diffuser entre les baguettes. Ce qui fait cet aspect en fait, qu'on voit ici. Donc, Vincent Estrade dit que ça fait un peu chou-fleur. Moi, je trouve qu'on voit vraiment ces impacts de blanc entre les baguettes qui partent, qui sont assez typiques de la bruchite. Donc, on arrive là aussi à le reconnaître. La cystine. Typique aussi, en général, ce sont des calculs qui sont assez purs également. Alors, à quoi ça ressemble? On l'a vu hein, tout à l'heure, on sait que c'est quelque chose de jaune plutôt, ça brille un petit peu, et on le voit en urétéroscopie ou en percutané, on le retrouve très facilement. En plus, il y a l'odeur caractéristique quand on va le traiter, mais c'est cet aspect en fait jaune clair qui brille un petit peu avec cette odeur assez typique.
En conclusion, l'urologue, donc, il a une place centrale vis-à-vis de la prise en charge donc de ses calculs. Il faut qu'il la garde. Il faut qu'il la garde parce qu'on peut avoir, on a vu l'expérience des chirurgiens digestifs avec les gastro-entérologues, etc. Il peut y avoir d'autres spécialités qui peuvent s'emparer de certains traitements et surtout que les radiologues poussent de plus en plus à faire de l'interventionnel. Pour garder cette place, il faut qu'il soit incontournable et on a la chance d'avoir l'urétéroscopie qui nous donne cette opportunité. Le bilan métabolique et la prévention des calculs, c'est essentiel pour garder cette activité. C'est une activité qui est médicale. Alors, c'est vrai que nous, on est souvent dit, souvent on est chirurgien urologue, mais justement, il faut garder ce pan d'activité médicale. Alors, l'urologue va être comme le médecin généraliste face à certaines pathologies. C'est-à-dire qu'en fait, il va se retrouver face à des maladies, il va faire un bilan et puis il va devoir, au bout d'un moment, trouver des alertes pour passer le relais à des spécialistes. Ces alertes, ça va être pour certains calculs, vous les avez là, le 1C pour l'hyperoxalurie primaire, le 1E pour la cause entérique, le 4A2 pour l'acide osmolaire, le 4D et la bruchite parce que c'est dangereux, la cystine évidemment. Dès qu'on va avoir du 1D ou du 3A, il faudra penser stase, donc il y aura peut-être en fait une stendone-adjonction qui n'a pas été bien diagnostiquée, un problème de sténose aussi urétérale. Quand on voit la cristallisation intratubulaire aussi, ça va être une alerte, puisqu'on sait que ça va être quelque chose où il peut y avoir potentiellement une acidose tubulaire ou d'autres pathologies très lithogènes. Et c'est là où on va avoir besoin des néphrologues, mais aussi des endocrinologues, parfois même des rhumatologues, pour compléter nos investigations. La description donc endoscopique, ça donne à l'urologue cette place essentielle, mais ça lui demande un investissement pour pouvoir y accéder. D'abord, il faut qu'il se mette bien sûr à gérer le bilan métabolique, c'est-à-dire ce bilan avec ses analyses, comprendre un peu mieux la lithogenèse. Il faut qu'il aussi puisse acquérir un matériel qui lui permet de faire ses descriptions et cette reconnaissance. Et comme vous voyez sur cette image-là, ça c'est un fibré, c'est un urétroscope fibré. On n'a pas la même image qu'avec des appareils numériques, comme vous avez vu jusqu'à présent. On voit cet aspect un peu nid d'abeille et ça cache un petit peu, ça gêne dans la description. Alors on arrive, on voit très bien que là, c'est une érosion papillaire avec des dépôts. On voit les tubes collecteurs au milieu. Donc ça, c'est typiquement une érosion PA2 dans la classification. Ça, c'est lié essentiellement à des plaques de Randall, principalement. Donc on arrive quand même à voir les choses, mais on les voit moins bien, c'est vrai. On se donne moins les moyens qu'avec un matériel, bien sûr, numérique. Ensuite, il faut qu'il y ait cette acquisition de compétences vis-à-vis à la fois de la reconnaissance des papilles, mais aussi des calculs. C'est un travail de longue haleine. Ça demande, il y a une courbe d'apprentissage en attendant que l'intelligence artificielle s'en empare. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Christophe pour cette présentation. Donc, il a remis la place de l'urétéroscopie comme instrument non pas pour le diagnostic, mais également pour le traitement. Et il a actuellement une valeur pronostique. Est-ce qu'on peut dire, Christophe, que d'ores et déjà l'endoscopie a une valeur pronostique? Ah, je C'est-à-dire, pense. on peut, à travers la reconnaissance endoscopique des calculs, sélectionner les patients à haut risque de faire des récidives et par conséquent, leur proposer plutôt un bilan étiologique, c'est-à-dire un bilan plus approfondi. Exactement. Alors c'est tout à fait ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait il faut qu'on garde, quand on va traiter un calcul standard, il n'y aura pas de problème. Mais quand on va voir, je vous montrais les alertes, c'est-à-dire la cristallisation intratubulaire et certains types de calculs, et ça va être une alerte forte pour ne pas garder forcément le malade si on n'en a pas la compétence, mais passer le relais pour ne pas laisser passer un diagnostic plus important. Donc oui, ça a une valeur totalement pronostique. Ensuite, il y a des anomalies, comme je vous l'ai montré. C'est sûr que s'il y a beaucoup de plaques de Randall, s'il y a des dépôts intratubulaires, s'il y a en abondance, c'est quelqu'un qui boit peut-être pas assez également pour les plaques de Randall ou pour les dépôts intrapapillaires. Et à ce moment-là, ça va être aussi un facteur de récidive très important. Donc, quand on voit tous ces dépôts que je vous ai montrés, je vous ai vu pas mal de photos, plus c'est intense, plus il y a de papilles touchées, ben, évidemment, plus il y a un risque de récidive. Donc, tout ça va permettre justement de stadifier et de voir quel patient il va falloir surveiller de manière approfondie. Dernière question, dans votre pratique quotidienne,
Est-ce que vous notez chaque fois que vous réalisez une endoscopie, vous notez l'aspect endoscopique des papilles et des plaques de Rondate sur le compte-rendu opératoire? Est-ce que vous faites Systématiquement. ça de façon systématique? Moins systématiquement. Alors là où je ne vais pas le faire, ça va être sur des. Pas notamment sur les. On fait des doubles abords, vous savez, avec percutané, mini-perc et puis urethéroscopie combinée. On en fait tant de temps pour des gros calculs. Il est clair que ces gros calculs, c'est souvent en fait de l'acide urique ou de la struvite. Il y a souvent peu d'anomalies papillaires sur ces calculs-là. Et en plus, on a une exploration qui est moins bonne parce qu'on est gêné par le calcul, on est gêné par la percutanée qui saigne un petit peu. Donc là, c'est du urethéroscopie, clairement. Si, je ne peux pas me prononcer trop dessus. En revanche, la personne qui est traitée pour un calcul en urethéroscopie où il n'y a pas de double abord, où j'ai un appareil de qualité, je fais systématiquement, je mets ma classification. En plus, je tiens toute la base de données, si vous voulez, donc c'est important pour moi aussi. Mais je fais la classification et je me mouille toujours sur la description des calculs, puisque, comme je disais, le morphoconstitutionnel est essentiel dans l'interprétation et dans la confirmation de la spectrophotométrie qu'on va avoir après. Est-ce que vous pensez que la spectrophotométrie n'a plus de place si on considère que la reconnaissance endoscopique apporte pratiquement les mêmes résultats que. Et surtout qu'actuellement, avec les lasers, avec une forte puissance, donc ils transforment le calcul En en poudre. poudre. Eh oui. Alors, la poudre, ça sera. C'est pas encore. Il faudra. Le thulium vient de sortir à peine maintenant, le Soltive, même s'il y a une expérience qui était russe jusqu'à présent avec l'IPG, puisque le thulium, c'est un laser russe à la base. Clairement, ça casse plus vite, ça casse plus fin, ça fait plus de dust, c'est sûr. Après, on le voit, même si on prend un laser holmium où on a une bonne fragmentation, ou plutôt un bon traitement en vaporisation, si on le monte en fréquence, on va faire du dust, mais il y a toujours des morceaux qui se décrochent. D'accord? Donc c'est pas, je pense qu'on n'aura jamais une homogénéité, on va dire, dans les petits fragments qui vont rester. Ces petits fragments, il y en a certains qu'il faudra les rechercher, qu'il faudra traiter autrement. Et surtout, il y a toujours la place, il faudra toujours prendre un morceau pour le donner à analyser. Car pour l'instant, de toute manière, cette reconnaissance, vous avez compris, elle est assez intéressante. On est à 81% à peu près de concordance, mais par des experts, pas dans la population courante. Donc l'aide, certainement, ça sera l'intelligence artificielle. Voilà, donc pour le moment, le spectrophotométrique et le morphoconstitutionnel, les morceaux qu'on donne à analyser, il faut le garder. Et les équipes qui disent on ne prend pas de morceaux, on ne donne pas à analyser, je pense qu'ils non, c'est pas possible. C'est pas possible. Sauf s'ils sont vraiment extrêmement bons dans la reconnaissance endoscopique, évidemment, ou qu'il y a déjà eu des calculs données analysés par le passé. Autre question concernant maintenant le bilan métabolique. Si je me présente à votre consultation avec une colique néphritique Oui. et que je me présente avec mon petit calcul expulsé spontanément, qu'est-ce que vous me conseillerez de faire comme bilan à ce moment-là? Moi, ce que je. Claire, premier calcul en France, on recommande, même première colique néphrétique, on demandera toujours un bilan. C'est les recommandations, hein. C'est bilan métabolique d'emblée. Il y aura toujours un bilan. Alors, si c'est un calcul simple, qui n'a pas d'antécédent, qui n'a pas d'autres calculs en place, on fait le bilan métabolique du comité Lithiase qui avait été validé, qui est assez simple, hein. Par contre, il ne faut pas le faire tout de suite. Donc, on enverra le calcul à analyser pour l'examen morphoconstitutionnel et spectrophotométrique, et on fera un bilan différé, environ un mois après l'épisode aigu, avec 24 heures d'urine, avec un bilan sanguin et puis un échantillon aussi urinaire où on va mesurer le pH urinaire. La cristallurine n'est pas très fiable, mais la densité. Voilà. Alors sur le bilan sanguin, on va voir bien sûr la calcémie, on va faire l'uricémie, on va faire la créate. Sur le bilan urinaire, alors. Le comité ne valide pas la réalisation pour le moment de tout ce qui est dosage du citrate, de l'oxalurie. On essaie de simplifier. Moi, j'avoue que je le demande un peu plus facilement, même si ce n'est pas toujours bien remboursé. Je trouve qu'on a quand même des aides à la fois au diagnostic et puis au suivi. Et puis maintenant, en plus, on a des médicaments à base de citrate pour essayer d'aider les gens. Donc, en fait, moi, je demande un peu plus facilement.
Quelqu'un qui a par contre des calculs nombreux, multiples, gros, qui ont, voilà, avec des gros facteurs de risque de récidive, on passera sur un bilan un peu plus complexe d'emblée avec la parathormone, le calcium ionisé, éventuellement la, voilà, ces dosages-là pour mettre les pieds un peu plus dans le métabolisme phosphocalcique. Mais c'est vrai que l'urologue qui n'est pas formé pour ça, il se retrouve avec ce bilan-là et il ne sait pas forcément l'interpréter. Et c'est beaucoup, 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 même si on fait des formations, même si on essaie, c'est difficile à interpréter. Alors pourtant, en soi, c'est pas long, c'est reposant, mais ça demande un exercice et il faut s'y mettre. Il faut accepter d'être un peu en difficulté, de se reposer les questions. Et je pense que dans notre formation, même, alors les jeunes qu'on voit, parce qu'on fait l'enseignement du collège d'urologie, les jeunes, ils sont beaucoup plus sensibles en France à tous ces bilans-là. Mais il y a toute une génération, en fait, qui s'y intéresse pas du tout encore. En tout cas, je pense que l'urologue doit faire le bilan métabolique biologique, il doit garder la main dessus. D'abord, on va faire le tri pour savoir qui on envoie. Donc, comme je vous disais, il va falloir envoyer parfois au néphrologue. Mais quand il y a des régions où il n'y a qu'un seul néphrologue qui reçoit, par exemple pour des patients libéraux, les malades lithiasiques, et il ne faut pas les noyer avec des patients avec de l'oxalocation monohydratée 1A sur plaque de Randall parce que le patient n'a pas bu et parce qu'il a des erreurs alimentaires. Il vaut mieux lui garder pour faire un test de PAC, pour faire de l'hypercalciurie, rechercher, comprendre mieux une acidose tubulaire. Voilà. Il faut essayer de préserver ces créneaux-là. Voilà. Et pour le suivi des patients, c'est-à-dire les patients qui ont des, je dirais, les facteurs de mauvais pronostic pour les récidives. Donc, oui. Vous les suivez pendant combien de temps? Je les suis alors. À quel rythme? Et qu'est-ce que vous demandez comme moyen pour la surveillance, pour le suivi? Moi, je refais le bilan métabolique biologique, typiquement. Après, il va y avoir bien sûr l'échographie. Je ne vais pas faire du scanner systématique. Le scanner, on va le garder, c'est l'irradiation. Donc, le scanner, on va le garder quand on se pose des questions. C'est-à-dire s'il y a un calcul qu'on ne comprend pas, une douleur ou un traitement potentiel. Donc, ça va être un suivi échographique, éventuellement avec radio. Tout dépend un peu de la lithogénèse, ça peut être à 6 mois, un an après. S'il y a des calculs en place, ça peut être un peu plus tôt, bien sûr, si on, notamment les calculs d'acide urique, on essaie aussi de dissoudre. Pour le bilan métabolique, ça dépend en fait des anomalies qu'on va observer également. C'est s'il y a peu d'anomalies qu'on met un pied dans de la diététique, on peut refaire un bilan éventuellement 6 mois après pour voir s'ils ont compris avec le bilan métabolique les conseils diététiques, s'ils les appliquent, pour essayer de faire une injection de rappel. En général, si c'est nous qui les, quand on le fait avec le patient, quand on analyse avec eux, ils voient qu'on s'y intéresse, on corrige les choses, ils adhèrent très très bien. Si par contre ils voient que l'urologue pédale un peu dans la semoule et qu'il ne sait pas trop, ou alors qu'il essaie justement de se débarrasser, ailleurs, à ce moment-là il va arrêter, il ne va pas suivre. Donc c'est aussi quand on montre l'intérêt et quand on montre qu'on est un peu passionné, et bien à ce moment-là le patient va suivre complètement et va adhérer à la surveillance. Quand on a des problèmes plus aigus, c'est-à-dire, comme je vous montrais, la cristallisation intratubulaire, d'autres anomalies, on va faire le bilan métabolique beaucoup, un peu plus précoce pour essayer, alors est-ce que c'est 3 mois plus tard éventuellement, parce qu'on va devoir avancer et savoir est-ce que la diététique améliore un peu ou est-ce qu'il va falloir mettre les pieds directement dans le test de PAC et dans d'autres anomalies, dans d'autres bilans, je veux dire. Donc, Monsieur Hussein, est-ce que vous avez sélectionné des questions parmi les internautes? Monsieur Hussein? Sim Sharqi? Ben, Monsieur Hussein, normalement, il doit s'occuper. Alors, sur la page WhatsApp, il n'y a pas de questions. Allô? Pardon? J'ai attribué les questions à Professeur Dressy. Oui, vous arrivez à m'entendre? Oui, j'entends. D'accord. Bon, déjà, je vous remercie, Dr Almeras, de votre excellente présentation. Je remercie également notre association à leur tête, Dr Mchakri, son président. Je remercie également les modérateurs qui étaient assis sur ce thème très intéressant en urologie. C'est une thématique un petit peu obscure pour la pratique urologique.
Alors, en fait, j'ai quelques questions pour vous. À votre avis, quand est-ce qu'on peut céder et passer la main pour le néphrologue sur le plan pratique? Devant quelle situation on peut passer la main pour le néphrologue? Moi, je pense que d'emblée, donc si c'est de la cystine, par exemple, c'est trop lourd à surveiller pour nous. Hein, on est urologue, hein, on n'a pas, voilà, en plus, il y a tout un suivi, donc la cystine, il faut le passer. Le 1C, il va falloir être vigilant parce qu'il va falloir vraiment regarder l'oxalurie pour vérifier s'il n'y a pas une hyperoxalurie primaire. Et là aussi, ce n'est pas notre job après parce que c'est très, très difficile à suivre. Donc, il vaut mieux le passer au néphrologue. Après, ça va être quand on va être dans les bilans métaboliques, on va trouver les hypercalciuries. Alors, les hypercalciuries, quand on va se poser les questions qu'il n'y a pas d'hyperparathyroïdie à côté, qu'il y a cette hypercalciurie qui va être isolée, il va falloir essayer de faire le point. Alors, moi, je demande souvent, en fait, une ostéodensitométrie pour voir un petit peu où ça en est. Oui, c'est une ostéodensitométrie. Après, je vais passer souvent le cap au néphrologue pour faire le test de PAC, pour essayer justement de voir s'il n'y a pas un problème d'hyperparathyroïdie à calcémie normale. Est-ce que, voilà, donc en fait, on va passer pour cette hypercalciurie-là, il va falloir, mais c'est après une première étape déjà de bilan métabolique chez nous, avec des conseils diététiques déjà adaptés. Le 4A2 aussi, alors moi, souvent, alors c'est lié en fait à cette calciurie également, hein, c'est-à-dire que quand on a du 4A2, qu'on va avoir des cristallisations intra-papillaires, comme je vous l'ai montré, ces anomalies-là, il va y avoir forcément une part d'hypercalciurie associée. Et en fait, l'hypercalciurie associée, ça va déboucher aussi sur le test de PAC, et puis on va demander pour rechercher une acidose tubulaire. Donc ça va être dans ces thèmes-là qu'on va aller envoyer vers le néphrologue. Quand c'est du calcul simple, 1A, qu'on fait le bilan métabolique, qu'il y a quelques carences, ben on le garde, bien sûr. Et on applique les conseils diététiques, on les revoit avec le patient, on explique tout ça. D'accord. Alors, la deuxième question, à votre avis, comment peut-on améliorer notre reconnaissance endoscopique sur le type de calcul? Est-ce que le fait de céder par la densité scanographique, je ne sais pas, il faut avoir une expertise là-dessus pour améliorer cet œil? Bien sûr, si on voit une densité de calcul aux alentours de 500 avant de traiter, et qu'on voit ce calcul qui est orangé typique, on sait que à ce moment-là, c'est vraiment de l'acide urique. Alors après, on va s'affiner, c'est-à-dire que quand vous voyez un calcul, c'est pas toujours facile à distinguer, de faire la différence, mais quand on va voir justement ces couches concentriques, cet aspect un peu crémeux à la coupe, on va penser plutôt à l'anhydre. Et même, enfin, on le confirmera peut-être, mais même pour les biologistes, l'analyse des calculs, c'est très difficile de faire de distinguer entre le 3B et le 3A, hein, typiquement. Donc, voilà. Donc, déjà, on peut s'orienter pour reconnaître de l'acide urique. Ça, c'est simple. Le 1A, il est typique. C'est le plus simple à reconnaître. Les internes, c'est là où ils avaient le meilleur résultat sur leur apprentissage. Donc, ça, il faut déjà commencer à reconnaître. Les plaques de Randall, les érosions papillaires, c'est lié aussi au 1A. Donc, ça, c'est des choses aussi, on peut s'y mettre. Après, la densité, dès que vous allez avoir du 1100, 1200, ben, vous pouvez avoir un peu tout dedans. Hein. On peut avoir du dihydraté, du monohydraté. Donc, ça ne peut pas aider forcément dans ce cas-là. Donc, le plus typique, ça va être bien sûr une densité aux alentours de 500 pour s'orienter quand on a ça au scanner. Voilà. D'accord. Et donc, et du coup, il faut toujours avoir un urétaroscope numérique ou digital pour une meilleure reconnaissance. C'est mieux. Alors, les premières descriptions, on les a faites quand même avec le fibré. Hein. Quand on remonte, moi, les premières anomalies papillaires que j'ai décrites, c'était avec le fibré à l'époque, avant qu'on ait le numérique. On voit des choses. On voit, mais on peut se tromper un peu plus parce que c'est moins fin. On le voit pour supprimer ce nid d'abeilles qu'on a à l'image, et on est obligé de flouter un petit peu l'image, justement pour avoir une image qui est un peu plus confortable, mais au détriment d'une qualité visuelle qui est moins bonne. Donc voilà. Après, il y a des endoscopes aussi numériques qui sont de pas très très bonne qualité, qui pixelisent beaucoup, donc ça dépend un peu de ce qu'on a aussi. Mais c'est sûr qu'on peut toujours essayer et on reconnaît des choses. Le 1A, on le voit typiquement avec un urétéroscope, hein, même fibré. Donc, il n'y a aucun problème. D'accord. Voilà. Donc, pour revenir sur...
Oui. Juste pour vous aider, il y a quand même il y a des publications, il y a donc déjà les classifications des papilles, elles ont été publiées. Il y en a la dernière communication, la dernière publication est en open access, donc vous avez en plus la classification qui apparaît dedans. Il y a Progrès en urologie FMC, où il y a Vincent Estrade qui avait fait sa publication, vous pouvez essayer de le retrouver aussi, où en fait il y avait tous les calculs qui étaient justement revus et décrits. Et je pense que ce serait bien qu'on ait justement une petite plaquette comme ça, et puis s'aider déjà, et c'est un apprentissage, quoi. Mais il faut, ça vaut le coup de s'y mettre. Alors, pour revenir sur l'intérêt du bilan métabolique de première intention, et comme vous avez dit, en fait, normalement, on peut résoudre à peu près jusqu'à 70 à 80% de problèmes métaboliques chez les patients avant de tomber bien sûr sur les cas difficiles. Est-ce qu'il y a des applications pour éventuellement aider l'urologue pour mieux interpréter ce bilan métabolique de première intention, en faisant entrer les paramètres Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a l'application d'Andra Sosnek qui s'appelle Calcul ITIAS, qui a été fait par l'AFU, qui est une application que vous pouvez télécharger. La seule difficulté, on va dire, ça va être, il faut toujours voir ça, c'est l'interprétabilité en fait du bilan. L'interprétabilité, il faut voir la créatininurie sur les 24 heures par rapport au poids du patient. Et c'est là où en fait l'application peut bugger un petit peu et vous donner de fausses choses. C'est-à-dire que la première chose à regarder, ça va être la créatininurie des 24 heures. Est-ce que le bilan est fiable? Est-ce qu'il n'est pas fiable? On peut, même avec un bilan qui est pas très très fiable, on peut quand même extrapoler. Hein. On peut faire des règles de 3, essayer de calculer par rapport à la créatininurie théorique du patient et tirer quand même des conclusions. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a cette application qui existe, Calcul ITIAS. Vous pouvez la télécharger sans problème. Très bien. Donc, je laisse la parole à Dr. Mcharpy pour. Oui. Alors, il y a des questions sur le WhatsApp, passe urologique. Après l'obtention d'un statut sans fragment et la réalisation de l'analyse spectrophotométrique et le bilan métabolique, quel serait le rythme du suivi des patients? Tout dépend de ce qu'on disait, hein. C'est tout dépend de la nature du calcul et des résultats métaboliques ainsi que des anomalies papillaires. Donc, quand on a quelque chose qui nous oriente purement vers de la diététique, c'est-à-dire du 1A, la plaque de Randall, ce suivi, ça va être conseil diététique, bilan une fois, on les revoit peut-être 6 mois après pour être sûr que tout va bien, puis peut-être un an après, histoire de vérifier pour essayer de faire une petite injection de rappel. Mais souvent, les bilans s'améliorent correctement. Et puis, l'idée, c'est d'encourager les gens et puis les sensibiliser. Dès qu'on a des signes d'alerte, donc des calculs dangereux, donc la bruchite, la cystine, dès qu'on a de la cristallisation intratubulaire, comme on l'a montré, et bien à ce moment-là, non, là, c'est le suivi doit être beaucoup plus rigoureux. Donc, au premier bilan, un mois après, et en général, 3 mois après, on les revoit suite au conseil diététique. Et à partir de là, il va falloir vite mettre la tête dans les explorations plus poussées éventuellement. Donc, voilà. Donc, c'est 6 mois, un an. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une autre question. Je crois que vous avez déjà répondu, mais on va la refaire. Est-ce que la reconnaissance des calculs au cours de l'électroscopie changerait la prise en charge si l'analyse spectrophotométrique avec le bilan métabolique sont réalisées systématiquement? Oui, je pense. Non, c'est une bonne question. Justement, c'était ça. Donc, en fait, et oui, il peut y avoir des discordances et il peut y avoir des calculs où nous, on est persuadé d'avoir vu quelque chose et puis, en fait, on va avoir une analyse discordante. Et c'est là où, en fait, même dans la description du calcul qu'on va avoir, il va falloir être fin parce qu'on peut avoir un énorme calcul, en fait, d'hydraté de A, on va faire du dusting. Et puis finalement, à la fin, il va y avoir un noyau 1A à l'intérieur. Le 1A, le dusting marche un peu moins bien, on va le fragmenter. Et qu'est-ce qu'on va récupérer, analyser? Le 1A, alors qu'en fait, 90% du calcul, c'était en fait du 2A périphérique. La structure périphérique, il faut quand même la détailler, c'est quand même la cristallisation la plus récente dans l'histoire du calcul. Voilà. Après, il faut aussi dire un petit peu ce que c'est. Quand on a 90% de dihydraté, on sait qu'il y a potentiellement une hypercalciurie derrière, même si le noyau est monohydraté. D'accord ? Donc oui, en fait, il va falloir avoir un œil critique par rapport à l'analyse qu'on va avoir.
et également sur les bilans biologiques, parce qu'il y a des liens, il y a des choses qu'on découvre. Tantôt, on voit des calculs d'hydratés, et puis on n'aura jamais d'hypercalciurie, comme on aura du monohydraté avec des bilans qui vont être totalement ahurissants sur l'acide urique, etc. Donc, il faut qu'il ait vraiment cette place-là, et dans la description, et ça va remettre en question même la prise en charge. Si vous voulez, on peut faire un petit break, on passe à l'enquête nationale et après on continue avec les questions. Pas de problème, ok. Enquête nationale. Donc, on passe la parole au docteur Daoudi et après on retourne à monsieur Christophe. C'est Daoudi. Si vous m'entendez. Oui. Très bien. Bonjour tout le monde. Là, tout d'abord, je tiens à remercier l'AMU et le président Dr Mcholri, tout le staff organisateur, les assistants, pour avoir organisé ce webinaire sur un peu l'aspect macroscopique et sa reconnaissance par les urologues, ses répercussions thérapeutiques. Donc là, j'ai été un peu au début, le sujet m'a un peu étonné parce que c'est un sujet qui est souvent délaissé par les urologues. Souvent, ça constitue un casse-tête à la fois diagnostic et thérapeutique. Je pense comme celui de l'urologie fonctionnelle féminine. Du coup, souvent, on laisse un peu les autres pathologistes s'occuper de cet aspect. Et, du coup, on est un peu allergique à ce sujet. Et je pense que ce webinaire va permettre un peu de désensibiliser un peu les urologues sur cet aspect physico-chimique de la lithiase. Donc, j'ai soumis un questionnaire un peu aux urologues et je vais présenter un peu les résultats de ce questionnaire. Là, il faut que je partage mon écran. Alors, peut-être qu'il me donne la main l'organisateur là pour partager. J'ai ouais. Ouais. Voilà. Oui, c'est bon, il m'a donné la main. Ouais, c'est bon. Il m'a donné la main. Voilà. C'est bon. Je ne sais pas comment faire pour. Voilà. C'est bon, vous voyez un peu l'écran? Pas encore. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc là, attendez, je vais faire comme ça. Donc là, on a eu 104 réponses, 104 urologues qui ont pris la peine de répondre au questionnaire. Donc, première question concernant est-ce que la connaissance de cette nature physico-chimique de la lithiase pourrait modifier votre prise en charge thérapeutique? Ben là, tout le monde était unanime, la réponse était oui. Par contre, est-ce que la prise en charge métabolique de la lithiase concernait l'urologue? Là, on commence un peu à douter parce qu'on a eu quand même 15% des urologues qui ne veulent pas et qui ne prennent pas en charge métaboliquement la lithiase urinaire. Donc là, sur la reconnaissance de l'aspect macroscopique de la lithiase, ben, on a quand même presque 50% des urologues qui n'ont pas d'idée sur ou qui ne savent pas reconnaître la nature physico-chimique selon l'aspect macroscopique de la lithiase. Donc, question suivante, on a 80% des urologues qui demandent un bilan métabolique, on a quand même presque 20% qui ne demandent rien. Pour le bilan métabolique, on demande généralement un bilan sanguin et urinaire. Donc, la plupart de la calcémie, la phosphatémie, l'acide urique, la glycémie. Et en parallèle, je pense comme tout le monde le sait, il faut demander un bilan un dosage urinaire concomitant du dosage sanguin pour savoir un peu, avoir une idée sur la filtration glomérulaire et donc la nature des cristaux qu'on aura dans les urines. Donc, voilà. Donc, on a 30% comme des urologues qui n'envoient pas de fragments pour analyse spectrophotométrique. Et on a aussi 30% des urologues qui réfèrent leurs patients à un néphrologue, que je trouve tout à fait normal. Alors, j'ai soumis deux photos de lithiase, la première qui était oxalocalcique et la deuxième qui était une lithiase d'acide urique.
Je vois très bien que ça confirme un peu que la plupart des urologues, macroscopiquement, trébuchent un peu sur la reconnaissance macroscopique des lithiases. Voilà. Donc, je pense que ce webinaire et la présentation de Christophe, qui était excellent techniquement, donc là, va nous permettre d'éclaircir un peu les choses. Et même si le sujet reste quand même très, très difficile, Christophe, Très. Après, hein, il y a un quand enjeu, même, comme je vous disais, c'est il y a il y un a enjeu. trop de Moi, détails, je trouve. il y a trop de détails physico-chimiques. Moi, je trouve cette enquête très belle parce qu'elle fait un véritable état des lieux et c'est très très bien d'avoir répondu honnêtement comme ça pour ces réponses. C'est vraiment très très bien. Et je crois que c'est un véritable état des lieux. Et en France, en fait, on n'en est pas très loin aussi. Hein. C'est on a à peu près les mêmes choses. Alors voilà, je crois qu'il faut sensibiliser parce qu'il y a un enjeu vis-à-vis de notre métier de la spécialité, clairement. Voilà, donc il y a une place à garder et il faut se battre pour la garder. Et même si on n'a J'avais pas une eu question, Christophe, là, concernant un peu, vous avez parlé la d'intelligence artificielle. Oui. Je sais pas, vous en êtes où là actuellement? Est-ce que D'accord. quoi, c'est la récolte de l'ensemble des données d'imagerie, de On biologique, fait physico-chimique, qui vont permettre d'accord. un peu de cerner le. Oui. On fait une collecte pour le moment de. On a une collection, c'est surtout Vincent Estrade qui travaille là-dessus avec des mathématiciens, puisque c'est lui qui a sa base de données et qui a fait donc toute l'analyse pour les calculs. L'étape d'après, ce sera peut-être des papilles, mais c'est un peu plus complexe, à mon avis, à reconnaître. Voilà, donc en fait, ça peut avancer. Il y a des résultats, mais les résultats qui sont, voilà, qui sont, c'est que des résultats préliminaires. C'est pas encore demain qu'on aura de l'intelligence artificielle qui va nous dire à coup sûr en morphoconstitutionnel. Là, vous avez une composante déshydratée périphérique et monohydratée 1A sûr. Voilà, donc c'est pas encore tout de suite. Ça sera certainement des développements parce que je pense qu'il y a des gros enjeux derrière hein, également, mais. Et surtout, ça va permettre de pallier un petit peu aux lacunes un peu des urologues qui ne s'intéressent pas trop au calcul, à la reconnaissance, parce que c'est sûr, c'est un investissement. C'est un investissement, mais je pense que si on veut bien prendre en charge les patients, c'est indispensable. D'ailleurs, on les voit, les patients qui sont même aux urgences, quand ils ont une colique néphrétique, d'emblée, ils disent qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça revienne, alors qu'on n'a pas encore traité la colique néphrétique et le calcul. Donc c'est s'ils se sentent en plus écoutés par quelqu'un qui va le prendre en charge globalement, c'est-à-dire je vais traiter votre calcul, mais derrière on va tout faire pour éviter que ça revienne et puis qu'il va explorer, c'est la meilleure qualité qu'on a pour les de prise en charge qu'on puisse proposer. Et on va garder notre métier, qui est beau. Si vous voulez bien, Christophe, donc on passe à la dernière communication et on laisse les questions à la fin. Donc, j'invite Monsieur Barandan pour nous parler un petit peu de sa présentation, donc il a préparé. Est-ce que les diapos, je les lance? Il me donne la main pour passer mes diapos. Tu partages l'écran, demande partage l'écran en bas. Oui, ok. C'est là. D'écran. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non? Partage. En bas, tu as partage d'écran. En bas dans l'application Webinar. Oui. Alors, question. Non, sur la barre des tâches, sur le panneau de configuration, la barre verticale. Il y a deux Vous petits écrans. avez le micro, caméra et partage d'écran. Non, ça passe pas. Est-ce que vous voyez le panneau de configuration à droite? C'est l'écran. La barre, oui, c'est l'écran, oui. Je le mets, ça passe pas, je sais pas.
Il me refusait, il souhaite capturer l'écran de cette ouvrir. Et je le fais, mais ça ne marche pas. J'arrive pas. D'accord, je vais essayer encore. Vous donner la main. Oui. Essayez maintenant. Il me met ouvrir préférence système et refuser. Je ne sais pas. Sur, là, non, non. C'est sur, sur le panneau de configuration, il y a la barre. Il y a une barre. La barre verticale après la caméra. Verticale. Voilà, il y a l'écran. Voilà, vous ouais, cliquez sur l'écran une seule fois. Quand j'appuie, ça ne donne pas. Il faut attendre. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi. C'est Brandon. Ben oui. Ça, j'appuie écoute, ça. Non, oui. Écoute, c'est Brandon. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, ton écran. Non, je ne vois pas. Jawad, vous voyez mon écran? Non. Là, j'ai partagé. Moi, voilà, j'ai partagé. Parce que moi, j'ai la présentation de M. Brandel que je suis en train de passer. Voilà, restez maintenant. C'est bien ça. Voilà, je vais essayer. Ben, est-ce que vous la voyez? Non, vous la voyez? Non, pas pour l'instant. Non, on ne la voit pas. Yeah, donc, c'est le même problème. Non, c'est sa présentation que j'ai ouvert PowerPoint. Voilà, c'est ouvert et je suis sur. Là, je partage l'écran. Vous arrivez à la voir? Non. Non. Jawad, tu la vois? Non, non. Alors, Jawad, bah, écoute. Vas-y, ça partage. Maintenant. Voilà. Je te Est-ce donne que le contrôle. Tu peux me donner le contrôle? D'accord. C'est déjà fait. C'est déjà fait, Jawad. D'accord. Je vais essayer de faire. Ah, ça y est, top ça. Vous la voyez? Ça y est, oui, ouais, on voit là. On voit l'écran, oui. Il faut juste.
Voilà, c'est bon. Donc, vous la Alors, voyez oui, oui, c'est bon. Il faut juste mettre en... Écoute, je vais réduire GoToMirror. Ben attends, il y a le... Voilà, bon. C'est bon, c'est bon. Alors, c'est l'arbitre qui peut commencer. Oui, merci beaucoup. Donc, merci de beaucoup de m'avoir invité à voir cet échange très riche avec les urologues. J'ai toujours travaillé avec les urologues puisque je m'intéresse beaucoup aux lithiases. Je vais dire au départ que c'est vrai que beaucoup d'urologues ne s'intéressent pas à la lithiase, mais tous les biologistes ne s'intéressent pas à la lithiase. Donc, ça fait que sur tout le Maroc, il n'y a que deux labos. Il y a le mien à Casa et la gendarmerie arabe. C'est vrai que moi, je me plains un petit peu du fait que le sujet, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. C'est vrai que c'est difficile pour une formation assez poussée. Mais moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'efforts pour que ce soit plus facile pour l'urologue. Alors, je travaille avec l'urologue. Par exemple, quand je fais l'analyse spectrophotométrique du calcul, le compte-rendu, il y a la photo. Bien sûr, il y a l'étude morphologique et la composition. Et il y a en bas les causes probables qui peuvent causer cette lithiase avec hypercalcémie, hyperoxalurie, insuffisance d'hydratation, etc. Et je mets en bas que s'il s'agit d'une lithiase active qu'il faut absolument explorer ou simplement donner des conseils. Alors, tout d'abord... mon idée sur les lithiases d'abord, c'est qu'il faut analyser systématiquement tous les calculs. La première des choses, donc sur n'importe quelle personne, au moins de faire la spectrophotométrie infrarouge, mais sur les sujets qui sont à risque, risque rénal, récidive inférieur à 3 ans, rein unique, etc. Là, il faut absolument, en plus de la spectrophotométrie, passer à un bilan métabolique. S'agissant du bilan métabolique, c'est vrai que c'est difficile pour l'urologue quand il va demander calcémie, etc., tous les paramètres à les mettre sur une ordonnance, ça fait beaucoup. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est l'urologue va demander le bilan métabolique de lithiase. Donc, c'est déjà établi et avec tous les indices de risque calculés et les conclusions sur les risques ou les traitements à donner, le régime, etc. Donc là, sur cette diapo, je présente un petit peu les calculs qu'on nous envoie à 95%, c'est ça, c'est sur cette petite diapo. Le docteur Almera, tout à l'heure, il a parlé beaucoup des cas un peu difficiles de bruchite, de calcul type A2, etc., qui demandent, c'est vrai, un travail de spécialiste, mais ça concerne, je pense, une petite partie que l'urologue peut... Et en plus, ce type de calcul, il faut d'abord attendre le résultat de la spectrophotométrie, parce que nous, par exemple, si on reçoit un calcul de bruchite, on va dire tout de suite hyperparathyroïdie possible, par exemple, primaire possible. Donc ça, on dit bilan phosphocalcique complet à faire. Donc ça, c'est, on ne peut pas dire simplement bilan métabolique, on risque de faire un bilan métabolique sans la parathormone, sans la vitamine T, etc. Donc on dit qu'il faut faire un bilan phosphocalcique complet, c'est-à-dire phosphore, calcium, parathormone, vitamine D, et bien sûr la calciurée de 24 heures. Ça, c'est... Et pour le A2, etc., donc s'il s'agit d'une acidose métabolique, donc on précise qu'il faut faire un urinogramme, etc. Par contre, pour ces lithiases communes, dans les premières sont des lithiases type A1 qu'on voit en haut, donc on voit ces calculs qui sont très reconnaissables. Je pense aujourd'hui, les urologues qui nous ont suivis, donc ils ont au moins appris ce que c'est que, comment reconnaître un calcul A1. C'est les trois, il y en a un qui est fragmenté. Et donc, ce type de calcul représente 60%. Donc, déjà, si on sait reconnaître ce type de calcul, on connaît la lithiase à 60%. Après, ça, c'est des statistiques marocaines. C'est des calculs marocains. Donc,
Et puis, il y a le type 1. Et puis, il y a le docteur Humbert a parlé aussi, c'est le type 1. Alors, pourtant, je reviens au type 1. Le type 1, c'est trop bien. Il est c'est-à-dire qu'il est formé à la faveur d'une hyperoxalurie qui peut être due simplement à un défaut de diurèse ou vraiment à une consommation, enfin un problème nutritionnel qui fait qu'il y a une absorption accrue d'oxalate. Donc la prose sera particulière pour les mesures antirécidives. On va voir tout de suite. Pour le type 2A, qui sont des calculs spéculés, là, à gauche, il y a le calcul entier. Donc, c'est calcul translucide avec des cristaux bipyramidaux très pointus et acérés. Et il y a le sable, puisque c'est un calcul très friable qu'on peut recevoir sous forme de sable. On sait reconnaître déjà sous la loupe ou en macroscopique. Et bien sûr, l'infrarouge, elle est pour le température. Et puis, il y a le mix qu'on rencontre souvent chez les gens qui sont en excès alimentaire ou qu'il y a le déhydraté qui s'est transformé en monohydrate. Donc, ça, c'est 10%, donc on est 70%. Puis, il y a l'acide urique au Maroc qui est très fréquent, 20%. Et puis, il y a l'infection. Donc 20% d'acide urique, donc ça c'est l'hyperuricurie qui peut être idiopathique ou nutritionnelle, donc consommation de beaucoup de purine. Sinon, pH acide très faible, acide, donc ça fait que l'acide urique il précipite, ou l'hyperuricurie associée à l'hyperuricémie. Donc ici, et puis il y a le calcul d'infection qui représente 5%, donc on est à 95%. Si on concentre sur ça, pour le bilan métabolique. Alors, le bilan métabolique, moi, je dis que lorsqu'on a un patient qui a 45 ans, qui vient de faire un petit calcul de type A1, on va faire la spectrophotométrie, on va donner les mesures diététiques. Nous, avec le bilan, le compte-rendu, on donne les mesures diététiques, qui sont d'abord boire plus de 2 litres d'eau. Alors, l'eau, il faut choisir une eau équilibré point de vue minéral. Au Maroc, il faut choisir plutôt de l'eau où il y a du magnésium, du calcium, etc. Et bien sûr, le calcium va être calculé pour maîtriser les apports en calcique qui ne doivent jamais dépasser 800 à 1000 mg par 24 heures. Et puis, conseiller d'éviter les aliments riches en oxalate. Et puis, manger des légumes, etc. Ça, c'est pour prévenir la récidive. Pour les autres, il faut demander carrément le bilan métabolique. Et le bilan métabolique, lorsqu'il s'agit de lithiase commune, le plus souvent, le bilan sanguin revient normal pour la calcémie et le phosphore. Donc, moi, je trouve que le plus important à faire, bien sûr, la fonction rénale, créatinine, il faut faire la glycémie pour des problèmes de diabète. Et il faut surtout toujours demander l'acide urique, l'uricémie, parce que l'acide urique, il joue aussi dans la précipitation de l'oxalate au calcium. Il peut causer, et bien sûr, les calculs d'acide urique, mais aussi l'oxalate de calcium. C'est pour ça que lorsqu'on fait le bilan métabolique, et là, les urines de 24 heures, c'est essentiel pour le bilan métabolique. C'est le cœur. Les sociétés d'urologie des États-Unis et du Canada appuient là-dessus, bien sûr, idem pour les bilans du CLAF. Alors, pour le bilan métabolique de 24 heures, pourquoi il est très intéressant? Parce que toutes les anomalies qui causent le calcul sont dans les urines. Une hypercalcémie de début de concentration. Donc, lorsque la personne boit très peu, donc s'il y a juste un problème de diurèse, par exemple, si on prend une personne qui boit un litre, ou qui a une diurèse d'un litre pour 24 heures,
une calciurie de 5 millimoles par litre, là, il est en risque de faire des calculs, mais il suffit de doubler la diurèse pour diviser cette calciurie en deux, et il est sauvé d'affaires, il ne va pas faire de calculs. Idem pour l'oxalate, etc. Donc, le volume est très, très important, le volume d'eau. Après, on va suivre, bien sûr, l'oxalate. Souvent, ce n'est pas nécessaire, mais s'il est fait dans le bilan, parfois, on trouve un excès, surtout lorsque la personne, et ça, c'est très important, lorsque la personne ne mange pas de calcium, ne prend pas de calcium. Moi, je conseille que aux personnes, enfin, je vous passe ce message, de conseiller à vos patients d'avoir leur ration en calcium de 800 mg quotidien et de prendre ces produits laitiers en général au repas. C'est-à-dire un dessert lacté, un yaourt au repas. Le calcium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va précipiter l'oxalate au niveau intestinal. Et donc, cet oxalate ne va pas se retrouver dans les urines après. Ça, c'est très important. Il y a des urologues en cours, des médecins qui disent « Ah, vous avez des calculs oxalocalciques, ne prenez plus de produits laitiers, etc. » C'est une erreur. Là, on va avoir aggravé lorsqu'il s'agit de calculs, par exemple. Paramètres importants du 24, c'est les apports en sodium et en protéines. Ces deux facteurs sont hypercalciuriques. Donc, en général, on va trouver tous ces patients qui font des calculs un apport en sodium très, très, très élevé, 10, 9, etc. Là, il doit être inférieur à 7 grammes par jour. Et le lithiazique, parfois, il est consommateur de viande, on ne va pas se rendre compte par ce régime de 24 heures. Et les apports en protéines doivent être inférieurs à 1,1 g par kilogramme par jour. Le citrate, bien sûr, et le potassium. Le potassium, la caliurèse est un paramètre pour jauger la consommation en légumes parce que ça apporte beaucoup de potassium et donc de citrate et donc ça permet de protéger. Donc tout ça, ce bilan métabolique va nous donner les données pour conclure au risque qui ont causé la lithiase et peut-être en cas de contrôle dans 3 mois, dans 6 mois, de voir que ces paramètres ont été corrigés. Donc, le bilan des urines de 24 heures est très important. La cristallurie, il faut la demander parce qu'elle va, déjà, si on fait, je veux dire, après des mesures thérapeutiques, enfin, les mesures diététiques, la cristallurie doit être négativée. Nous, on l'a fait sur deux choses, les urines de réveil et les urines faites au labo. Et on demande à la personne une restriction hydrique parce que si la personne boit beaucoup d'eau, ça ne sert à rien de faire de la cristallure. Le problème de la cristallure, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de labos qui la font. Donc, ça fait que ce n'est pas très demandé. Alors, pour ce bilan de 24 heures, il est valable pour les oxalocalciques et pour l'acide urique. L'acide urique, donc, on a dans le bilan de 24 heures, donc l'uricurie de 24 heures. En général, on la trouve augmentée chez l'oxalocalcique et pour l'acide urique. Pour les gens qui font de l'acide urique, on peut trouver un pH très acide. On peut trouver une hyperuricémie. Parfois, il n'y a pas d'hyperuricémie, il y a toujours l'hyperuricurie. Et là, donc, il faut une correction du pH par la prise d'eau alcaline type Wellness Vichy. Donc, et pour concernant ce bilan métabolique, pour les lithiases qui sont un peu particulières, donc il faut faire d'abord la spectrophotométrie qui va nous guider sur le bilan à faire. Notamment compléter le bilan sanguin par le phosphore, le calcium, la parathormone et la vitamine D. Donc ici sur cette planche il y a la cristallurie. Donc ici je présente quelques types de cristaux. Retrouver, donc on a le monohydraté au milieu, à gauche en haut, le déhydraté. Donc le déhydraté en haut, c'est plutôt, il est une hyperoxalurie diététique, alors que au milieu, le monohydraté, les cristaux d'oxalate de calcium monohydraté, ici c'est peut-être une hyperoxalurie primaire. Ici c'est un calcul de Bruchite. C'est une lithiase très très active et ça c'est très intéressant parce que parfois on trouve que les centres que vous placez chez vos patients sont incrustés dans les jours qui suivent l'emplacement
de la sonde. Et en bas, au milieu, là, c'est du riz. Et puis, en bas à droite, c'est la cystine. Donc, sur le compte rendu de la cristallurie, on compte les cristaux, bien sûr, on les identifie, on compte et on calcule un volume cristallin global qui nous renseigne sur l'activité de la lithiase. Est-ce que cette personne est toujours susceptible de faire des calculs? Parfois, elle a un rôle diagnostique, même le calcul est encore in situ. Une cristallurie bien faite peut nous confirmer la nature, sur la nature du calcul qui est encore dans les voies urinaires. Si vous pouvez aller vers, avancer dans les diapos, s'il vous plaît. Donc ça, c'est une planche qui montre comment se fait la lithogénèse et la cristallogénèse. C'est les combinaisons entre les différents promoteurs de la lithiase qui sont le calcium, l'oxalate, le phosphate, etc., le rôle du pH, de l'urate, etc. Et puis, le rôle des inhibiteurs. Et le premier inhibiteur, c'est le volume qui est placé en haut. Premier inhibiteur de la lithiase, donc toujours bien conseillé de boire beaucoup d'eau. Et on montre aussi le rôle en cas d'infection. Et bien sûr, les inhibiteurs, dont l'essentiel, c'est le citrate. Et en second degré, c'est le magnésium. Ces deux produits sont proposés comme traitement de prévention. Docteur Almera vient de, il a parlé de, par exemple, le médicament, je vais faire de la pub, l'étos, qui est du citrate de magnésium et du potassium, qu'on utilise pour prévenir, donc un comprimé le matin, un comprimé le soir, pour prévenir les gens qui récidivent. Donc c'est l'apport du citrate, des potassium, du magnésium, très efficace pour de calcul. Avancez, s'il vous plaît. Donc, ici, je montre comment le protocole de recueil ou comment pour faire le. Donc, le bilan métabolique doit être fait, bien sûr, en dehors de toute crise, donc le CNIF critique, en ambulatoire, et le patient en régime normal. Il est sous condition de ses conditions habituelles de nourriture, etc., pour essayer de révéler les anomalies urinaires ou ces anomalies lithogènes. Donc, le bilan de 24 heures, pour ne pas gêner le patient, il est fait entre le samedi soir jusqu'au dimanche soir. Le lundi, il apporte le bocal au laboratoire. Et entre-temps, donc à 8 heures dimanche soir, il a arrêté de boire de l'eau. Et donc, il va recueillir le matin au réveil, il va recueillir la totalité des urines du réveil qui vont servir à la cristallurie, avec aussi une prise d'urine au labo. Et bien sûr, il va faire son, puisqu'il va venir âgé, il va faire son prélèvement sanguin. Et donc là, on a, pendant le week-end, le passage chez lui, etc. Il est dans ses conditions normales. Et donc, à peu près, d'après les études de confirme, à peu près, on peut avoir les conditions qui peuvent avoir causé le calcul en question. Et bien sûr, pouvoir bien conseiller le patient pour une bonne prévention et pour éviter au maximum les récidives. Donc, l'autre diapo, on l'a vu sur le bilan métabolique, comment il se fait. Donc, une question, une remarque. Lorsque le patient il a une infection, il faut, en général, on attend que l'infection soit traitée. Lorsque le calcul, il n'est pas qu'un calcul d'infection. Il n'est pas quelque chose d'infection, il faut attendre de traiter l'infection, d'éradiquer le germe avant de faire le bilan. Si c'est un calcul d'infection, le bilan métabolique n'est pas demandé, juste faire un ECV, demander un SUV, et ça suffit, et traiter l'infection en question. Le bilan métabolique va. Les résultats, je vous ai dit, nous, on essaie de faciliter à l'urologue. Donc, les médecins avec qui je travaille, j'essaie de discuter avec eux avant que le patient arrive chez eux avec le bilan. Donc, on a discuté sur les différentes conclusions à faire. Et donc, on va donner avec le bilan la fiche du conseil. Si c'est du 1A ou 2A, ça va être une fiche du conseil diététique, 1A plus 2A. Ou si de l'acidurie, ça va être la fiche de conseil nutritionnel. 3A, si c'est de la cystine, ça va être 6A, 6B, etc.
Et si c'est, par exemple, sur le calcul d'infection, bon, ça va être des conseils généraux, type bien boire, de boire suffisamment d'eau, équilibrer sa nourriture, etc. Et je vous remercie, je suis prêt à poser, si y a des, répondre s'il y a des questions, des exercices. Merci beaucoup. Donc, merci, Sibane Ramadan. Au fait, on a pris beaucoup de retard et on passe directement au mot de la conclusion parce qu'il y a un décalage d'une heure par rapport à Christophe Almeraz. Il fait beaucoup plus noir derrière moi. Ah oui. Donc, on passe. On est vraiment désolé pour le retard. C'est une Chakri. Oui, c'est dit. Tu peux me passer la main. D'accord. D'accord. Jawed. Oui, c'est bon. Vas-y, Idriss. Vas-y, Idriss. On t'a donné le partage d'écran. Lance tes diapos. C'est bon. C'est bon? Vas-y, Jawad, partage les diapos, s'il te plaît. Alors, j'ai donné la main à M. Driss. Tu as la main, partage ton écran. Je clique sur afficher. Non, tu as partage d'écran en haut. Partage, voilà. L'écran, il est déjà partagé. Pour aller sur la présentation. Jawad? Oui. Oui. Je vais le faire à sa place. D'accord, ça marche. Voilà, c'est bon. Tu me vois? Jawad, d'accord, tu me vois? C'est bon maintenant. Vous pouvez le partager, c'est oui, tweeté. C'est bon. C'est tweeté, vas-y. Donc voilà, conclusion, donc diapo suivante. Donc en fait, je vais passer deux messages. Premier message, que doit savoir l'urologue? Eh bien, il faut que vous sachiez que la lithiase, c'est une maladie préoccupante. Par sa fréquence, par sa gravité, par les dépenses qu'elle engendre. Et puis, les récidives, ils sont fréquentes, ils altèrent la fonction rénale et puis il y a également le métabolisme osseux qui est mis en jeu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas les mécanismes, les processus de bioconstitution des calculs, ce qui nous incite à travailler en collaboration dans une équipe multidisciplinaire. Donc, c'est ce que l'urologue doit savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, diapo suivante. Donc, l'urologue doit s'impliquer davantage dans l'évaluation de cette maladie lithiasique. En demandant systématiquement un bilan métabolique initial, sanguin urinaire, comme le recommandent les recommandations, les guidelines de l'OAU. Et puis, il faut insister davantage sur la description macroscopique des calculs à l'examen endoscopique qui pourrait, dans l'avenir, remplacer les résultats de la cristallographie. Et pour prévenir les récidives, il faut identifier les facteurs à risque. Et pour cela, diapo suivant,
les guidelines de l'européenne, c'est-à-dire les guidelines européennes, identifient quatre groupes de facteurs à risque. Le premier groupe, c'est les plus généraux, c'est-à-dire le fait d'avoir un calcul précocement à l'enfance, le fait d'avoir des infections à répétition, tout ça, c'est des facteurs de risque de faire des récidives. Le fait d'avoir des maladies métaboliques ou avoir des maladies inflammatoires intestinales, ça, c'est également des facteurs à risque. Diapo suivante. Diapo, Msharqi. Les autres facteurs à risque, ce sont les maladies. Non, non, tu reviens, Msharqi. Reviens. Donc, les maladies génétiques, notamment la suivante. Donc, les maladies génétiques et les anomalies anatomiques des voies urinaires, tout ça, c'est des facteurs de risque de récidive. Donc, suivante. Donc, à partir de ces éléments, c'est-à-dire en identifiant ces facteurs de risque, on peut classer les malades soit en faible risque de récidive, et chez ces malades, on peut se contenter juste d'un conseil diététique. Et les autres patients, ce sont les patients qui ont une forme plutôt à risque élevé de récidive. Ils représentent à peu près 20% de la population. Et c'est cette population-là qui aura besoin d'un bilan étiologique plus approfondi, notamment le dosage de la parathormone et les autres, et un traitement plus spécifique. Et là, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, il faut une surveillance à vie annuelle. Je pense avoir répondu à cette question concernant la place du bilan métabolique dans la prise en charge de la maladie lithiasique. Il ne me reste qu'à remercier encore une fois M. Christophe Almeras pour sa patience, pour nous avoir supportés jusqu'à 23 heures. Je lui dis merci beaucoup pour son soutien, son excellente présentation. Et puis, je remercie également les autres intervenants, Dr Msharqi, et puis les internautes qui nous ont suivis tout au long de cette présentation. Et je passe le mot final au Dr Msharqi. Merci, Sitwiti. Effectivement, ce webinaire, il était vraiment lithiasique, hein. Donc, merci beaucoup, mon cher Christophe, pour cette excellente présentation intéressante et que je pense qu'elle était très pertinente pour nous, les urologues. Et donc, il y a des efforts à faire. Et merci donc pour le grand effort qui a été alloué ce soir. Et nous savons tous que l'histoire de la lithiase remonte à la préhistoire, hein, il a accompagné l'homme toute sa vie. Et du coup, mon cher Christophe, moi je pense que ce sujet sera sûrement le sujet d'un workshop au cours du prochain congrès de l'AMU. Et nous serons ravis de le faire. Donc, je remercie les modérateurs, professeur Twitty, professeur Hseini, docteur Romdane, docteur Daoudi. Merci donc à tous les urologues qui ont participé à ce webinaire et surtout ceux qui ont la gentillesse de répondre à notre questionnaire. Merci donc Laboratoire FI, merci Sijawad. Et avant de vous souhaiter une bonne soirée, je vous annonce donc pour le 8 juillet 2020 le prochain webinaire, la NLPC. Merci tout le monde. Merci encore une fois Christophe et bonne nuit à tous. Merci à vous pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. Merci.